Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Réaction. Réaction, c'est une tranche de contact pro-live où nous émettons ici à partir de Johannesburg. Ça faisait un peu plus, peut-être d'une semaine que nous avions été absents. C'était indépendamment justement de notre volonté. Nous étions dans un devoir familial qui nous a absolument empêché de produire nos émissions habituelles. Donc, nous sommes petit à petit de nous remettre de ce que nous avions vécu pendant ce mois de mars, parce que nous avions perdu une de nos cousines ici à Johannesburg. C'est ça qui a fait à ce que nous étions dans cet imbroglio pour aller à l'enterrement, pour attendre les autres membres de la famille qui devaient venir de Kinshasa, de Bukavu aussi. Et donc, elles sont venues, donc l'enterrement a finalement eu lieu. Je crois que tous ceux qui sont branchés sur ma chaîne YouTube et puis sur Facebook ont vécu l'événement en direct sur Facebook, où nous étions pratiquement dans cet événement où nous avions perdu une sœur, une cousine vraiment qui était très très proche de nous. Donc ça nous a pratiquement éloignés et de la production. Alors, nous commençons à nous remettre petit à petit, et là, nous tombons sur les actualités qui sont vraiment à chaud. Quand nous revenions, nous nous sommes dit, bon, qu'est-ce qui se passe sur les réseaux? La première vidéo que je suis tombé là-dessus pour reprendre un peu ces choses et que je voudrais en parler, c'était cette vidéo qui devient de plus en plus virale de l'Est de la République démocratique du Congo, où Nanga a terminé une formation des cadres de ce mouvement-là, Fleuve Congo. Nous allons essayer un peu de réagir sur ça. Et puis nous allons réagir aussi sur ce qui se passe à Kinshasa, où finalement il y a eu des primaires dans les élections du candidat que l'Union Sacrée va présenter comme candidat à l'Assemblée nationale. Et là, je voudrais vraiment que nous puissions un peu suivre ce que Kamere a dit quand il a finalement eu raison sur Mbosso et sur Bahati comme candidat à la Chambre basse du Parlement. Donc, nous allons suivre d'abord Kamere et puis nous allons donner notre point de vue, notre réaction sur ces primaires-là qui se sont déroulées à Kinshasa, parce que dans la cour de choses, j'ai vu que beaucoup de choses, des gens me posaient la question de savoir qu'est-ce que je pensais de ces primaires-là. Est-ce que ça valait la peine? Parce que l'Union Sacrée a 477 députés. Donc, c'était la majorité absolue. Et donc, à quoi servaient les primaires? Nous allons donc en parler dans cette émission. Et donc, suivons d'abord Kamere. Et puis, dès que nous revenons, nous attaquons ce sujet avant d'attaquer le sujet de Nanga, qui termine sous la formation de ces cadres de Fleuve Congo. Il n'y a pas eu de débat pour la primature, mais pour vous, on passe par les primaires. Pas du tout, parce que je suis quelqu'un de conviction d'abord et de foi en Dieu. Je n'avais jamais demandé d'être candidat président de l'Assemblée nationale. J'étais en réalité le choix du président de la République. Depuis plus de 2 mois. Les autres sont venus exprimer leur desiderata. Le président a essayé d'aplanir les angles des uns des autres. Et puis finalement, il a dit, pourquoi pas, ce n'est même pas lui qui a dit, c'est l'un de nous qui a dit, mais pourquoi pas nous renvoyer aux primaires. Parce que le président nous a donné plusieurs opportunités d'être ailleurs qu'au Parlement. Et moi, j'étais convaincu qu'avec le travail inachevé, injustement, que j'avais fait au Parlement et au regard des enjeux dans la région des Grands Lacs, ma place était ici, en dehors de la primature. J'ai accepté, et nous tous nous avons accepté, sportivement, de nous livrer à ces primaires. Ça fait rehausser la démocratie en République démocratique du Congo. C'est pas facile. Le cœur bat la chamade là-bas. Quand on commence à citer les noms, Kamere, Mbosso, Bahati, c'est pas facile. Mais nous sommes
des politiciens, nous savons que des sommes, des échecs, toujours on arrive à la réussite. Mitran avait fait 21 ans avant d'accéder à la présidence de la République. En 30 secondes, vous revenez après combien d'années ici avec ces ambitions d'être à la tête de l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on peut compter sur vous pour certaines réformes institutionnelles? Après 15 ans exactement, et vous pouvez compter sur moi, puisque en peu d'état déjà, en 2 ans et 3 mois, j'avais fait beaucoup de réformes. Et là, j'en ai beaucoup dans ma tête, déjà en préparation. Si le gouvernement est en retard, moi, je vais les faire sous forme de propositions, de lois, et on avance parce qu'il y a des possibilités. Est-ce qu'on peut vous craindre comme président de l'Assemblée nationale devant certaines questions délicates du pays? Peut-être que ça ne peut pas marcher avec... Non, moi, je voudrais réhabiliter l'Assemblée nationale, que les gens respectent l'Assemblée nationale, puisque les institutions de la République sont connues et bien listées dans la Constitution. Il y a le président de la République, qui est la première institution. Il y a l'Assemblée nationale, qui est la deuxième institution. Il y a le Sénat, qui est la troisième institution. Il y a le gouvernement, qui est la quatrième institution. Et les cours et tribunaux, cinquième institution. Et une autre institution dont on ne parle pas assez, mais que vous connaissez, c'est les médias. C'est une force et un pouvoir. Et donc, nous allons faire en sorte que nous puissions réhabiliter l'Assemblée nationale. Donc faire en sorte que les députés nationaux soient respectés au même titre que les sénateurs américains, au même titre que les députés français. Que le ministre, quand il est interpellé, qu'il se prépare en conséquence, parce que nous allons évaluer constamment le travail des ministres pour aider le président de la République à réaliser son rêve des 6 promesses faites au peuple congolais. Nous le ferons dans la loyauté et dans le respect des séparations de pouvoir. Que personne n'ait peur. C'est pas la première fois que je l'ai fait. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, de notre côté, nous sommes en train de nous poser la question pourquoi c'est ces primaires-là? Tout le monde a mis tout dans le monde, mais si on a mis les primaires, tant qu'on a mis les sous-sous, on a voté pour le président. Est-ce que ce n'est pas un double jeu? Est-ce que c'est le Komoko Bazako Lingako Salaka Mbalamoko? Moi, de mon côté, je pense que c'est un passe-temps. C'est un non-événement. Pourquoi je dis ça? Dans cette primaire, nous pensons que. Et il y a que ça, le Makaka. Parce qu'ils sont à ce qu'à 477. Tous se sont derrière le président de la République. Personne ne va pas contredire ce que le président de la République va faire. Ainsi, tout repose sur le président de la République. Nous sommes en train d'entrer dans une dictature petit à petit. Tout ce que décideront les gens au Parlement, je vous assure que ça passera parce que ça ne vaut pas la peine. Lorsqu'ils vont élire maintenant officiellement le président de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que ça va représenter cette élection? Parce qu'elle a déjà été, elle a déjà eu lieu. Donc il n'y aura que 13 députés qui sont de la minorité, comme on dit, parce qu'ils sont 477. Donc il n'y a que 23 députés de l'opposition. Qu'est-ce que va représenter les 23 députés de l'opposition sur les 477? Tout ce qui va décider le président de la République, ça va se passer. S'il faut changer la constitution, si c'est cet parlement ici qui décidera, tout sera décidé par eux et personne ne pourra contester. Et c'est ça que moi je pense que la signification même de ces préliminaires ici qui ont eu lieu. Moi je ne pense pas qu'il y aura autre chose. Et donc on dit dans le Kozara Soussou. Nous sommes en train d'aller tout droit dans une dictature où personne n'aura à contester ce que va dire ce Parlement-là. Et moi j'ai eu honte quand j'ai suivi les arguments des uns et des autres, surtout celui de Mbosso et celui de Bahati. Même celui de Kamer aussi. Moi, je me suis dit, mais Batou Bazo mon abisson de Yenini. C'est par contre l'interview que vous venez de suivre ici, que moi je pense que Kamer peut-être a essayé un peu de parler des choses qui ont un sens. Mais Nakati Ababino Konaewana Mgana Banzi que nous sommes toujours dans la merde avec ces gens ici. Nous sommes toujours dans la merde. Et moi, je pense que ça, il est grand temps à ce que nous puissions changer les choses. Nous ne pourrons pas continuer de cette façon-ci.
Nous sommes dans la merde, mes chers amis. Comment est-ce que vous pouvez penser que cette assemblée-là va accompagner les chefs de l'État? Les institutions n'accompagnent pas un chef de l'État. Cet État n'est pas géré par une personne. Moko oza ya mututé bande konangaye. Moko oza ya mututé. Vous n'allez pas exécuter la volonté du chef de l'État. C'est ça le problème. Moi, je crois que c'est l'Assemblée nationale qui finalement devrait en principe na ndenge na bango, bango même qu'il fallait pas se choisir maintenant comme dans la majorité une politique. Et je crois que c'est comme ça que la Constitution nous parle. La Constitution nous dit que la politique de l'État est conçue par les députés nationaux qui vivent la misère du peuple, qui sont en contact direct avec le peuple. Ce sont eux qui vont faire, par exemple, une politique de gestion en disant, bon, voici comment nous allons y aller. Il ne s'agit pas ici d'exécuter la volonté d'un homme. Et c'est ça l'aberration qui nous préoccupe pour l'instant. On commence à se poser la question. Ces gens-là sont là pour accompagner les chefs de l'État. Et donc, ce qui est chef de l'État a la solution, Monsieur Kamere, moi je suis très déçu. Pour accompagner le chef de l'État, pas implémenter ma idée. C'est comment ça? Ce pays n'appartient pas à une personne. Ce pays n'appartient pas au président de la République. Ce pays n'appartient pas à la présidence de la République. La gestion du pays doit être tenue par toutes ces institutions qui devront être indépendamment les unes des autres. Donc, ce qui n'est pas pour accompagner le président de la République, à ta président Abouki Libé Kobino Bokosalelo comme côté. Parce que c'est sa volonté que vous êtes en train d'accompagner. Ce qui président Lobby a couillé ou a décidé que le Komoko Zananatinate, vous n'avez pas à vous opposer à cela. Parce que vous êtes tous derrière le président de la République. Ce qui président de la République a l'oublié, binonyo sur vos condiments. Ce qui toque toko titolini toko tanawayome, binonyo sur vos condiments. Parce que c'est ça la volonté du chef de l'État que vous êtes en train d'accompagner. Parlement est allé place au long de la bande que binonyo il fallait vous concevoir politique. Le président de la République doit collaborer avec vous pour qu'il y ait cette. Tout ça, on a contrôlé à Batounios. Alors, à Bokobanga, ce qui nous faisons, nous président de la République, Aïdi, Bokobanga, donc, le discours dès le départ est déjà biaisé. Dès le départ, nous sommes tous à cause de la contre président de la République. Et moi, je ne pense pas que ce n'est pas ça que dit l'esprit de la Constitution. Alors, pour la limite aux autres, la Constitution, ce qui m'a cambouaboué, ça, qu'on s'allume. Si c'est comme ça que nous allons gérer les 5 ans, en tout cas, moi, je ne pense pas que nous sommes sortis de l'auberge. Nous serons toujours. Et tout ce qui se passera par d'autres personnes ne comptera pas. C'est ça le problème que nous avons ici. Alors, dans ce moment-là. Est-ce qu'on peut espérer quelque chose dans le modèle Oyo? Parce que c'est ça la question que nous pouvons nous poser. On se pose la question, va-t-on vraiment sortir de l'auberge avec cet esprit déjà de gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas qu'est-ce qu'il faut? Bon, bien sûr, vous êtes en train de vous fier sur l'expérience que vous aviez eue quand vous étiez parlementaire. Vous êtes en train de vous dites que non, bon, ok, nanazala kikuna, moi je fais ceci, il y a quelque chose d'inachevé que je fais. Qu'est-ce qui a été d'inachevé? Vous vous consacrez beaucoup. Comme je dis, j'étais déçu par les deux discours, leur discours lorsqu'ils présentaient leurs moyens de défense. Ils disent qu'ils vont améliorer les conditions des députés, c'est-à-dire qu'ils vont passer de 21 000 $ à 33 000 $. Pendant que le peuple congolais reste. Moi, je n'ai pas entendu dans ma discours, dans Bango, on va se défendre que nous allons consacrer le peuple. Non, il n'y en avait pas. Ils sont venus accompagner le chef de l'État et c'est tout. Et alors, donc, Kamera a amélioré, comme il avait promis, à améliorer la condition de la députée. Donc, c'est ça l'achat déjà. On vous dit qu'on va tricher. Donc, on va acheter ces députés-là sans à vendre.
Et l'autre dira que non, il va améliorer les transports. C'est comme si député Bazalakana transporte, ils sont à la tête de l'État. Moi, ça me fait très mal, Bande Konangaï. C'est ça mon point de vue, malheureusement. Hein? Que ceux qui vont se dire que non, là, ça passe. Ça fait mal d'entendre les gens qui vont nous diriger pendant 5 ans dire des choses comme ça. Il n'y a aucune part où on a mentionné le place à peuple Zawati Bande Konangaï. Exalité. Donc la raison de cette élection primaire, comme on a dit, exalité. Exalité, nous n'avons pas vu pourquoi ça peut être là. Il n'y a pas d'opposition dans la majorité. Il n'y a pas d'opposition. Et puis écoutez ce que Kamara a dit, qu'il était le choix du président de la République. Pour vous dire que c'est le président de la République. Nandenge Bayokanana, président de la République, yende mutifale azalakuna, mais il a fallu quand même essayer un peu de brouiller les pistes pour ne pas dire que non, Batou, bah choisi ça qui était. Il l'a bien dit. Donc, on a cherché un moyen à respecter les accords de Nairobi, peut-être, hein, des cash. Est-ce qu'après lui maintenant, après en 2028, c'est Kamara qui deviendra président de la République? Et c'est là que nous allons introduire maintenant l'enjeu de l'Est de la République démocratique du Congo. Non. Moi, je me dis, voilà maintenant encore un échec sur notre plateau. On n'en tient pas compte, mes frères amis. Makambo, on a ngaza ko sala na Est kuna. Moi, ça m'a laissé stand, comme on dit. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Regardons un peu ce petit extrait de Nanga. Il est rassurant. Il s'est dit qu'il n'y aura pas de balkanisation. Il ira jusqu'à Kinshasa. Il est, au moins lui, quand même, lorsqu'il parle ici, il montre qu'il maîtrise le Congo dans toute son entièreté. Il promet qu'il arrivera à Kinshasa. En milieu rural, nous vivons dans des villages. Pourquoi c'est important de le savoir? Vous, aujourd'hui, non plus étudiant, mais cadre de l'AFC. Nous voulons que vous sachiez que notre action, notre révolution, porte sur l'homme. Si chacun de nous retrouve sa dignité, alors tout le pays va retrouver sa dignité. Et chacun de nous vit au Congo, soit dans un village, soit alors dans un quartier. Vous avez ce nombre en tant que cadre de l'ANC, porteur de cette révolution. Nous avons cette responsabilité de gérer demain ces entités, mais attention, gérer les entités dont je parle, ce n'est pas être chef, c'est être serviteur. Baza calme, baza ko conduire, comment dirais-je, les formations politiques et tout ça. Moi, pourquoi est-ce que j'en parle aujourd'hui? J'en parle parce qu'à Kinshasa, on ne fait pas quelque chose sur ça. Ce n'est pas une urgence. Nanga ko ko zala na ekuna problème ezalite biso toza awa toza ko continuer ko zala na ba manani ba ma assemblé na biso to ebike lo kwana to ko ce n'est pas urgent. Attitude ya nanga pe côté kuna, vous le sentez trop rassurant. Bandeko, pour vous qui est simple d'analyser, analyser ces attitudes là, vous pouvez faire des séminaires comme ça. Et regardez les gens qui sont en train de venir, Batwaza, rejoindre Bango Kuna. Et Nanga de dire que non, Batunae Bazana Kinshasa. C'est-à-dire que on est en train de nous mettre de la beurre à Kinshasa. Bah, Makambo Bazako, ça les a distractions.
Ils savent que Nanga est en train de venir. Si vous croyez à cette parole, Nanga Zoloba. Azoloba ke batunae bazako zelae na Kinshasa. Au moment peut-être nous pensons que Mokangwe kokwe ya kakaka boe sa bitumba. Donc les traîtres sont partout. C'est ça que moi j'ai cru entendre na bamakambo Nanga aloba ki. Quand Nanga vous dit que non, ils sont là à Kinshasa, bo zala ke non bozako solana mutunabino, mzoka za mutunabiso. Et c'est là le grand problème, mes frères. Qui est-ce que nous allons croire maintenant? Tu crois nani? Parce que Babylon quoi n'engona, basape na nani te, ils ne sont pas inquiets. Baso sala makamuna bango sans inquiétude parce qu'ils savent que non, baza en sécurité. Et pendant ce temps-là, c'est la population qui a souffert. J'ai entendu parler que non, ba commerçant à Goma, ba komi ko zwa déjà même beaucoup de risques en se disant ils vont même à Bunagana. Bazako kende Bunagana bazozwa ba biloko et tant ou bazako longwa na zone o eza occupé par M23 nde bazo ya kokuta na siko na mombamba ya ba tracasserie ya ba FARDC. Et donc la ville de Goma est entre leurs mains et tikali siko kaka bakoyo kana kaka bumboke kwei. Et donc à quoi servira tout ce que nous sommes en train de faire à Kinshasa? Batralala wana nyoso tozo sale langoni ni pendant que nous savons que nous sommes en train d'aller dans une certaine négociation entre le FARD et le président Tshisekedi et le M23. Négociation en gros et kozala ya nini? Qu'est-ce qu'ils vont négocier? Où c'est qu'ils vont négocier le départ de Tshisekedi pour que va implémenter la politique na bango? Mais moi ce que j'ai remarqué dans tout ce que j'ai entendu auprès de la bouche de Nanga, ça ne m'a pas rassuré, mes chers amis. Ne croyez pas. Ça ne m'a pas rassuré. Pourquoi ça ne m'a pas rassuré? Parce que j'ai encore vu qu'il n'a pas mis en exergue le peuple. Il a dit ceci, que Batoua Nazako formé des élites, donc des cadres, Alliance Fleuve Congo, vont-ils les envoyer pour la refondation de cette république? Ce sont ces gens-là qui seront envoyés à l'Équateur. Ce sont ces gens-là qui seront envoyés dans le Kassai. Et où sera le peuple? Quand il dit le peuple doit batounion sur tout bazar, combien de milles de territoires ou bien de localités? Il n'a pas parlé de l'identification. Oui, il a dit qu'il y a un problème identitaire. Mais moi, je n'ai pas entendu, peut-être que c'est une cartouche qui réservait à Batou, ou bien ma mode, pour y arriver, comment allons-nous y arriver sans l'implication même de ce même peuple-là que vous venez conquérir? Donc, ce qu'on a gagné dans Massassi, c'est-à-dire que tu vas imposer une chose, il y aura encore une certaine dictature qui sera imposée. Ne place nga naza ko s'inquiéter en Gwana. Inquiétude na nga en Gwana. Parce que moi, je pense que, dans le modèle Otozo Kende, nous devons réorganiser le pays à ce que le pouvoir revienne à qui des droits. Qui est le acquis? Qui a ces droits-là? Qui est ce Congolais? C'est donc la première chose que nous pouvons faire dans un programme où nous pensons développer le pays avec l'engouement de tout le monde. Moi, je pense qu'il y a l'implication de ce tout peuple. Même à temps, Simba Mando quitté, va s'impliquer pour le développement en Mboka. Et ce développement-là est causé effectif lorsque tout le monde s'engagera, lorsque tout le monde sera donc considéré. Donc, tout le monde considération, il y a une dynamique, une population, une tribu, autant que nous avons un même pied d'égalité et imposer maintenant que chacun maintenant soit impliqué ou bien signature même un acte de paix pour que nous avons un peu de temps à la place. Ce pays nous appartient tous. Ce pays n'appartient pas aux politiciens, ni même aux gens qui ont tenu les armes. Non. Ce pays nous appartient tous. Et non, je me dis, peut-être aussi que Alliance Fleuve Congo et Angope, ils ont comprendre Makambu, qu'est-ce qu'il faut faire. Je ne sais pas. Ça, ce n'est que mon point de vue. Pourquoi? Parce que je n'ai pas entendu en eux, en se disant, nous allons inclure dans la gestion du pays la responsabilité du peuple congolais. Et pour ce fait, nous devons connaître ce peuple congolais, Bazala Kawapi, Bazawapi.
Et par là, moi, j'ai dit l'implication des chefs coutumiers, l'implication des chefs de groupement, l'implication des chefs de secteur dans la gestion même du pays. Comment est-ce que nous allons former une armée si nous ne voulons pas, si nous ne connaissons pas? Sera-t-il encore une armée de mercenaires monolithiques? Et tout ça, ce sont des questions qui restent pendantes, mes chers amis. Et la claque, quelle est la solution que moi je me dis? Du côté de Kinshasa ou du côté des M23, la solution, moi je pense que c'est la paix, la convocation de ces états de lieux-là, de chaque territoire, où le peuple va se mettre ensemble en se disant, regardons-nous en face, regardons-nous dans les yeux, qui sommes-nous, d'où est-ce que nous venons, qui est qui? Et le plan de ça, ce que j'ai dit ici, c'est ça les états de lieux de chaque territoire, où les territoires vont se mettre d'accord en disant, voici, nous sommes les custodiens, nous sommes les gardiens de nos terres, et que nous devons être impliqués dans la gestion de nos terres. Nous devons nous impliquer à faire de nos terres un Congo meilleur, que tout le monde apporte sa pierre, et que Bamabele na biso, Elei sape biso. Nous n'attendrons jamais tout de Kinshasa. C'est ça que moi j'ai compris pour la refondation du Congo. Yangona toujours développé en Mikolonyo so awa. Nakati a contact pro life. Comment est-ce que nous pouvons rétrocéder le pouvoir au niveau de la base? Ainsi donc, si vous me suivez pour la première fois, encore une fois de plus, abonnez-vous, regardez les émissions passées, partagez cette idée ici. Nous commençons petit à petit à revenir. À partir de la semaine prochaine, nous recommençons nos émissions full mood. Mais je crois que nous avons encore une semaine. Donc aujourd'hui, nous sommes mercredi. Et donc, 3 jours, 4 jours, je crois, à partir de lundi, nous allons recommencer réflexion et bien sûr réaction long format. Donc nous allons faire ça. Abonnez-vous donc, soyez toujours branchés et on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien, au revoir.